finaliste comme ça, pas savoir si on a été aimé, détesté. Moi, je sais que j'ai été aimé par beaucoup d'entre vous pour avoir survécu aussi longtemps. Mais ça, c'est pour gagner. Je stresse un peu. Je dois avouer que je stresse un peu. Je veux pas avoir fait tout ça en vain. Je veux pas avoir supporté tout ça. Il y a certaines personnes ici qui sont venues chercher différents éléments. Hugues, par exemple, est venu chercher beaucoup. Il voulait revivre l'expérience, ça faire du fun. Lui, il voyait ça un petit peu comme le fun. Quelqu'un comme Simi est venu pour gagner des prix, gagner des trucs, vivre l'expérience. Il y a beaucoup de gens. Dave est venu un peu pour l'expérience. Lui, c'était peut-être lui qui avait le plus en tête le prix. Plus aussi. Mais je veux dire, moi, je suis vraiment venu pour la victoire de la fin. Je suis venu pour ça. Là. Il n'y a pas. Fait que pour moi, c'est sûr que l'enjeu demain est incroyable. L'enjeu est incomparable, incalculable. J'espère que ça fera pas comme dans le Lovecat. J'espère pas avoir une fin. Ben, dans le Lovecat, je n'étais pas sorti de la bredouille dans le sens que j'avais 75 000. Ça, et tout ce qui s'est passé après, tout ce qui s'était passé aussi pour la finale, tu ne peux pas savoir le ressentiment que moi j'avais face à ça. J'ai vécu vraiment des moments super difficiles après ça à cause de tout ça. Des mois entiers d'incertitude, des mois entiers de cassage de tête. Ça a miné beaucoup de choses dans ma vie, ce qui est arrivé. J'ai essayé de faire semblant comme de quoi que non, il n'y a pas de problème, puis je reste zen, ça. Mais ça a tellement été dur. Quelqu'un qui a souffert aussi autant que moi là-dedans, ça a été ma blonde. Je m'en veux d'y avoir fait subir ça. Alors, tu sais, dans des moments de même, on se rappelle un petit peu de tout ce qui s'est passé, le cheminement, qu'est-ce qui nous a emmené là, pourquoi. C'est fou des fois, je regarde ça puis je me dis aïe aïe. Ouais, lors du après le Love 4, ça a tellement été dur. Puis quand je me suis lancé pour le Love 6, je me suis donné à fond en me disant, écoute, je retente le coup. J'espère que ça finira pas en queue de poisson comme la dernière fois. Ben quoi, ça n'a pas fini nécessairement en queue de poisson, mais ça a été terriblement difficile pour moi et mes proches. Puis je voulais tellement pas avoir quelque chose qui soit de ce niveau-là. Puis peut-être que la première fois, la pression, je l'avais du fait qu'il fallait que je réussisse sur le rôle que je me donnais. Cette fois-ci, il fallait que je réussisse à gagner. Puis c'est. Je me suis peut-être mis trop de pression là-dessus. Puis j'ai hâte de voir si j'ai failli à la mission que je me fixais ou si j'ai réussi. Alors, c'est pas moi qui va avoir échoué. Ben, tu sais, dans le fond, si j'ai échoué, c'est parce que j'ai pas été capable d'être assez présent pour vous autres. C'est ça qui va me faire de quoi en bout de ligne, parce que sérieusement, moi je dis oui, il y a la victoire, il y a tout, mais je voulais, quelque part, je voulais vous plaire en premier. Je voulais que vous soyez heureux que je sois là, que vous soyez, vous ayez un thrill de faire comme, hey, c'est bien là, puis mon Dieu, ça torche, mon Dieu, qu'on a des épisodes de fou, on a des journées de fou. Puis au début, j'avais la sensation que c'est, même si j'avoue que je me plantais stratégiquement, là, je ne passerai pas par quatre chemins, je me suis planté stratégiquement. Ben en fait, peut-être pas moi directement, mais en tout cas, les événements faisaient que, que ce que je voulais ne se présentait pas. Ben c'est sûr que de cet angle-là, j'ai
disais quand même, tu sais, ça donne un show de TV, puis c'est ça qui est important. Tu sais, je voulais vous plaire en donner un show de TV. Puis, je sais pas si c'est à la finale, comme ça, si j'étais capable de vous émerveiller de la façon que je l'avais fait la première fois. Ou du moins, assez pour que vous fassiez comme on est encore en arrière de scène. Si vous m'écoutez cette nuit, c'est parce que probablement que vous m'appuyez, puis probablement que vous êtes en arrière de moi, fait que ça, je l'apprécie. Peut-être pas non plus, mais en tout cas, certains d'entre vous, c'est le cas.